D'après les données de recherche, c'est l'un de ces deux systèmes. D'après les données de recherche, c'est l'un de ces deux systèmes. D'après les données de recherche, c'est l'un de ces deux systèmes. En ligne. Je vous le passe tout de suite. Shepard. Ça va, amiral? Vous tenez le coup? Jour après jour, commandant. Ouais. J'ai un message de Hackett à propos de cet appartement. J'aimerais que vous m'en débarrassiez. Il est à vous. Vous êtes sérieux? Il vous faut un endroit à vous, pour souffler, faire le vide. Cali voulait qu'on s'y installe. Mais en fait, plus je reste sur Terre, moins j'ai envie de repartir. Et je veux limiter les possibilités au maximum. J'insiste, vous me rendriez service. C'est très généreux. On a besoin de vous au meilleur de votre forme. Reposez, concentrez. Si vous le dites, merci. Et faites comme chez vous, bon sang. C'est chez vous, maintenant. Je me débrouillerai. Ok, bien. J'y pensais depuis longtemps. Allez, on se revoit bientôt. Prenez soin de vous, Anderson. Vous aussi, Shepard. Le Normandie, un vaisseau tout neuf. Mon vaisseau. C'est un instant qu'on n'oublie jamais. La première fois que vous êtes à votre poste et que l'équipage attend vos ordres, inoubliable. J'avais déjà commandé avant ça. Déjà vécu pas mal de combats et toujours trouvé le moyen de revenir entier à la maison. Après quelques victoires, on commence à croire qu'on est meilleur que son voisin. C'est peut-être vrai, je ne sais pas. Mais si vous êtes vraiment chanceux, vous vous retrouvez avec le commandement d'un bon vaisseau, avec un bon équipage. Des gens à qui vous pouvez confier votre vie. Doués, disciplinés, braves. Tous impatients de mettre les voiles dans cet océan noir et infini. Je me souviens encore de mon second me demandant mes ordres. Et moi lui répondant, voyons ce qu'on peut trouver, Shepard. Le Normandie, un vaisseau tout neuf. Mon...
j'ai des choses à dire sur le commandant Shepard. Beaucoup. On a beaucoup écrit sur le commandant. Beaucoup de bêtises, surtout. Les gens portent vite un jugement, même s'ils n'ont pas tous les éléments. Même moi, je n'ai pas tous les éléments. Mais je le connais. J'ai travaillé et combattu avec lui. Je lui ai confié ma vie. Shepard a des cicatrices, comme tout le monde. Il a souvent dû combattre seul. Je me demande encore comment il a échappé à certaines situations. Ça fait peur. Et je ne l'ai jamais entendu se plaindre ou me dire « Impossible, je ne peux pas faire ça ». Il n'a jamais hésité. Rares sont ceux qui savent ce que Shepard a traversé. J'aime croire que j'en fais partie. Et parfois, j'ai peur qu'il oublie qu'on est beaucoup à attendre son retour. Parfois à en perdre le sommeil. C'est peut-être inutile de le dire. Ou peut-être trop difficile. Les soldats comme le commandant sont rares. Les hommes comme Shepard, encore plus rares. Ça va, j'ai quelques minutes. La guerre du premier contact? Oui, j'y étais. Mes premiers combats. Les premiers pour beaucoup d'entre nous. Une nuit, au début de la guerre, notre transport approchait de la zone d'atterrissage. J'étais attaché sur mon siège. Personne ne disait rien. On n'entendait que les respirations. J'étais avec des types bien. On avait été formés ensemble. On plaisantait beaucoup, mais pas cette fois. Il n'y avait que le bruit de la navette et des respirations. Tout le monde pensait la même chose. On va se battre contre des envahisseurs extraterrestres. Réfléchissez-y. Nous avions tous grandi en nous demandant si nous étions seuls dans l'univers. Là, nous savions. Nous n'étions pas seuls. Et les choses se présentaient mal. Nous étions sur le point d'affronter un ennemi différent de nous et totalement inconnu. Je savais que je devais dire quelque chose pour détendre les hommes. Alors j'ai demandé à un soldat à côté de moi, Henrix, je crois, comment allait sa mère? « Bien, m'a-t-il répondu. Pourquoi ? Parce qu'il paraît qu'elle est si vilaine que les Marines l'ont prise pour une Turienne, et qu'ils ont failli la descendre. » Quelques gars ont souri. Puis Henrix s'est tourné vers moi et m'a dit « Hey Anderson, on m'a dit que c'était une photo de ta mère qui aurait horrifié les Turiens et déclenché cette foutue guerre. » Là, tout le monde rigola de bon cœur. Et les gars se sont bien battus cette nuit-là. Parfois, c'est tout ce dont on a besoin. Une blague, une tape dans le dos, le sentiment que tout va bien se terminer. David Edward Anderson. Je ne sais pas qui ça intéressera, mais merci de le demander.
Je suis né à Londres le 8 juin 2137. Petit dernier des trois enfants d'Ursula et Paul Anderson. Ma mère était infirmière et mon père mécanicien de vol. C'est un peu fade. Quelqu'un va épicer tout ça, non? Je n'ai jamais été fan des projecteurs. Bref, où en étais-je? C'était le second mariage de mes parents. Ils avaient la cinquantaine quand je suis né. Quand ma mère travaillait, mon père m'emmenait à la base. J'adorais regarder les transports et les chasseurs décoller. Toute sa vie, il a travaillé pour le voyage spatial. Mais il n'a jamais quitté la Terre. Pas une seule fois. C'était un homme bien. C'est juste une remarque, ne l'intégrez pas. Qui est-ce? Kali? Pardon, je dois prendre l'appel. J'espère que c'est ce que vous vouliez savoir. Je reviendrai sur les N7 la prochaine fois. Vous vouliez en savoir plus sur le SSV Normandie, le Normandie SR1. En tant que commandant du Tokyo, j'avais été consulté pour la conception du Normandie et invité à bord pour les premières manœuvres. Peu de gens savent que le Normandie est le produit d'une collaboration avec les Turiens. Le commandant Elie Zander n'était pas vraiment une diplomate. Les manœuvres politiques des Turiens, pendant la construction, lui firent perdre patience. L'ingénieur en chef pour la propulsion, Octavio Tatum, et ses ingénieurs turiens étaient sur la passerelle lors des derniers exercices. La tension monta quand Zander poussa le système furtif au-delà de la limite que Tatum jugeait raisonnable, retardant la purge du PTI. Je tentais de calmer le jeu, mais au final, les ingénieurs turiens finirent avec les menottes, et humains et turiens se bagarrèrent à l'antre de Cora. Avec le recul, c'est drôle quand même. Quand j'ai vu le Normandie pour la première fois, c'était la plus belle chose que j'avais jamais contemplée. Le lendemain de cet exercice, l'amiral Wright me croisa sur le pont. « Il est à vous, me dit-il. On ne peut pas le confier à Zander. Prenez des hommes sur le Tokyo et préparez-vous pour votre première mission. » Un commandement plutôt court, à cause de sa reine. Mais c'était quand même l'un des meilleurs moments d'une longue carrière. Ah, commandant Shepard, votre table vous attend. Salut Shepard. Pas mal, hein? Ça a de la gueule ici. Comme leur portier, d'ailleurs. Il suffit juste de sauver la galaxie 2-3 fois pour avoir une table. Vous avez vu la queue? Et moi, je suis là. Un verre à la main. Meilleur pilote de l'univers et rockstar.
Des nouvelles du Normandie ? Juste quelques rapports de maintenance. C'est dur de me dire qu'une bande d'étrangers est en train de trafiquer mon vaisseau. Enfin, votre vaisseau. Le mieux qu'on puisse faire pour l'instant, c'est de laisser les techniciens faire leur travail. Ouais, vous avez raison. Une petite vidange, un changement de pneus. Ouais, croyez-moi, ça lui fera du bien. Oh, vous, je vous crois. Nos amis ingénieurs aérospatiaux voleurs d'argenterie, par contre... Que quelqu'un d'autre s'en charge pour une fois. Ordre de Hackett, vous êtes en perme. Que ça nous plaise ou non. Je crois que vous survivrez. Je vais avoir besoin d'un cocktail avec une ombrelle. Vous pourrez même en avoir deux. Je suis le premier spectre humain. C'est presque de l'abus de pouvoir. Donc, votre email disait que c'était important. Mon email ? Je suis là parce que vous m'avez envoyé un message. Quoi ? Je n'ai rien envoyé, moi. Commandant ! Excusez-moi, pardon. Je travaille pour l'Alliance. Commandant ! C'est urgent ! Je ne crois pas que ce soit la fille qui apporte les ombrelles. Commandant Shepard, je suis Maya Brooks, analyste de l'Alliance. Des services secrets de l'Alliance, pour être précise. Votre vie est en danger. Ouais, je crois qu'il est au courant. Oh. Non, je ne parle pas de Cerberus ou des moissonneurs. Je parle d'autres personnes, de nouvelles personnes. Il... c'est... quelqu'un a piraté votre compte. Données personnelles, canaux de transmission. Vous êtes personnellement visé. Personnellement visé ? Qu'est-ce qu'ils me veulent ? Rien n'est encore sûr. La dernière fois que je me suis avancé sans preuve, on a failli envoyer des troupes en plein dans une géante gazeuse. Peu mieux faire. Doucement, Brooks. Respirez. Reprenez depuis le début. Excusez-moi, vous n'avez pas réservé ? Bonsoir, mesdames et messieurs. Le numéro de ce soir vous est présenté par Violence et Compagnie. Laissez-vous ! J'adore le showbiz. Dispersez-vous ! Trouvez Shepard ! Bougez pas, j'arrive ! Joker ? Ah, oh, mon pancréas. Hé ! Hey ! Merde. J'en ai eu un ! Trouvez les autres, je me charge de celle-là. Trouvez les autres, compris ? Hé ! Je vous sers d'appât ? Courez ! Je vous sers d'appât. Vous voyez, le sauveur de la vie, un pauvre innocent comme un pas. Qu'est-ce qui s'est passé ? C'est Shepard. Brooks. Je suis par ici. Tenez bon. Où est-ce qu'il a trouvé une arme ? Merde ! Commandant !
merveille. Brooks, vous avez été touché. Je sais. J'ai utilisé du Medigel. Une sacrée dose. Tout mon... Stock, en fait. Maintenant, il y a un peu tout qui bouge. Vous n'y êtes pas allé de main morte. Est-ce que je peux... vous aider? Alertez le SSC. Je vais chercher une sortie. Attention. Brooks, je vois des voitures de l'autre côté du fossé. Peut-être aussi une plateforme d'atterrissage. Je balaye la zone. Transport, non. Nourriture, non. Laverie. Ah, c'est un parking. Si je ne me torse. Envoyez une navette. Je vais trouver un moyen de traverser. Ok, ça marche. Donc, il se trouve que le SSC a verrouillé toute la zone. Ça va être compliqué de vous envoyer une navette. Débrouillez-vous, Brooks. Ah, et aussi, évitez toute communication. Enfin, à part avec moi. Elles sont piratées. C'est sûrement comme ça qu'ils vous ont trouvé. C'est qui, ça, ils? Je ne sais pas, mais ils n'ont pas l'air de beaucoup vous aimer. Ouais, j'en ai bien peur. Le SSC a fermé toute la zone. Les éclaireurs ont tout foutu en l'air. Shepard n'était même pas armé. Quelle bande de nazes. C'est Shepard. C'est Shepard. Je serais pas contre un peu de renfort. Par la déesse, quel soulagement. Joker m'a expliqué la situation. Je suis à pied, mais je ne suis pas loin. Excusez-moi, qui est à l'appareil? Vous utilisez un canal non sécurisé, et vous mettez le commandant Shepard en danger. En danger? Qui êtes-vous? Attendez, Joker a parlé d'une analyste. Brooks, non? C'est elle. On se calme, là. De l'entendre. C'est un peu tendu. Je vais tenter d'exprimer la surprise. Brooks, j'ai trouvé un moyen de traverser, mais c'est verrouillé. Je vais essayer de le désactiver. Shepard, qu'est-ce que vous faites? J'ai entendu ça d'ici. Tout est sous contrôle. C'est vous. Je
sommes en guerre d'action. Je vois. Vous avez sans doute subi un traumatisme lors de votre chute. Shepard, Brooks m'a envoyé les coordonnées du parking. Je vous y retrouve. Bien. Qu'est-ce qu'on sait sur ces mercenaires? Ils ont des flingues et ils m'aiment pas. Ça ne nous aide pas. Commandant, ce serait super si vous pouviez éviter toute communication radio. Hé, hey, c'est eux qui m'ont appelé. Journée difficile, Shepard. On peut dire ça. La plateforme d'atterrissage est juste là, mais inaccessible. Il faut trouver le panneau de commande. J'aime votre tenue. Le panneau de commande, donc. Il paraît que vous avez pris l'eau. On en parlera plus tard. Dommage. Je l'aimais bien, ce restaurant. On en parlera plus tard. Reculez. Un instant. Bonjour. Vous pourriez ouvrir la porte, s'il vous plaît? Merci. Allez-vous-en! J'aurais pu le faire, moi.
Et voilà le travail! James, venez là. J'arrive! Est-ce que ça va? Vous avez vu ça? Joli tir, lieutenant. Commandant, vous avez un plan pour nous tirer de là? James, vous parlez à un pro. C'est pas un oui. Ce n'est pas un non. Commandant. Jacker, on n'a plus de véhicule. Vous êtes où? En chemin, j'ai récupéré Brooks. Je me suis dit que vous auriez des questions. Bien vu. Quelle vacances, Shepard! Commandant, le SSC vous a trouvé? Ça va? Oui et non. Les mercenaires se cachaient dans une navette SSC. Quoi? Je suis un peu occupé, là. Oui, pardon. On fait vite. On est bientôt là, commandant. Tenez bon. Ça va être un vrai chantier quand on aura fini. J'approche de votre position, commandant. Je suis les tirs. Bien reçu. Désolé pour le retard. J'ai dû prendre la route panoramique. La route panoramique? On a failli s'écraser au moins 4 fois. Où est-ce que vous avez appris à conduire? Brooks vous passe le bonjour. Allez à la navette. Je suis prêt, commandant. Il faut qu'on file, commandant. J'envoie un drone. Allez à la navette. À couvert. Je suis prêt, commandant. Il faut qu'on file, commandant. Ok, c'est quoi ce bordel, commandant? C'était qui, ces mercenaires? Ils étaient armés et utilisaient des navettes du SSC. Je ne sais pas, je ne les avais jamais vus. Je n'en reviens pas que vous ayez survécu. Ils avaient des armes, des grenades et des drones. Tout va bien. J'appelle le commandant Bailey. Je vais voir ce qui se passe au SSC. Ok, ce n'est pas... Attendez, ça ne risque pas de faire de lui une cible? Elle a raison. Tant qu'on n'en sait pas plus, c'est un gros risque. Ok. Pour l'instant, on se débrouille seul. Bien. Seul. Tout seul. Sans personne. Hors la loi. Ok. Ouais. Brooks, ça va aller. Je sais que c'est pas facile. On m'a tiré dessus. J'ai du médigel, mais quand même. Ce n'est pas pour rien que je bosse dans un bureau. Et vous avez tué une centaine de types au pistolet. Ouais, en effet. Non, mais qui fait ça? Enfin, vous, il faut croire, mais à part vous. On m'a dit que le médigel pouvait me rendre nerveuse. J'ai l'air nerveuse? Comment vous avez atterri là? Je fais de la surveillance de données pour l'Alliance, dans le but de prévenir toute usurpation d'identité. Comme quelqu'un qui utilise un pass d'amiral pour entrer en boîte à la Citadelle, pendant que l'amiral en question se bat sur Tuchanka. J'ai créé un excellent programme de repérage, que j'ai appelé Mr. Cookie.
comme mon chat. Brooks. Oui, pardon. Bref, Mr. Cook, mon programme, a détecté une faille dans vos dossiers confidentiels. Et tout ce qu'on avait sur vous s'est retrouvé compromis. Dossier personnel, rapport de mission, tout. Quel rapport entre le piratage d'archives personnelles et une attaque à main armée ? Pensez à ce que des criminels pourraient faire avec les codes d'accès militaire de Shepard. Ou même les codes de Spectre. Ça explique pourquoi ils veulent votre peau. Ils ont l'air plutôt déterminés. Ok. Trouvons qui ils sont et arrêtons-les. Des idées ? Le flingue que vous avez trouvé. Il est classe. C'est la première fois que j'en vois un comme ça. Moi non plus. Je vais voir si je peux trouver quelque chose. Vous pouvez essayer. Mais je vous préviens, je n'ai toujours rien trouvé et j'ai cherché partout. Je n'en doute pas. Glyph ? J'analyse les données pertinentes, Dr. Tsony. Merci. Bien, le doc est sur le coup. Et le reste de l'équipage, alors ? C'est vrai, ça, bande de flemmards ? Joker, vous n'avez pas chômé. J'ai trouvé des gens qui aiment bien se faire tirer dessus. Permission d'embarquer, Shepard ? Thank you.